Bon, ben, le Media Lab, c'est une ressource matérielle et humaine. Donc, c'est du matériel pour réaliser des films, pour arriver jusqu'à un produit final, donc caméra, éclairage, son, etc. Mon ordinateur pour faire le montage. Donc, c'est une ressource qui s'adresse aux jeunes de 10 à 17 ans. On travaille avec eux dans les écoles, avec un animateur de vie spirituelle et citoyenne. Et sinon, aussi, on travaille à la bibliothèque avec des jeunes qui veulent venir réaliser des projets. En général, on fait un film par année avec une comédienne, un caméraman professionnel, un preneur de son, un monteur professionnel. Je fais des projets avec des jeunes dans des écoles. On part de ce qu'ils vivent, puis on fait des projets qui débordent sur la communauté, soit qui font un projet d'environnement. Et puis, grâce au Media Lab, ça peut nous permettre d'enregistrer ce qu'ils ont comme idée. Puis après ça, ben, on va le présenter grâce au Media Lab, toujours au maire, à la municipalité. On a aussi des projets intergénérationnels que je fais avec eux, donc avec des personnes âgées, puis des jeunes ensemble, un beau mélange. Et puis après ça, ben, il y a aussi un projet de Vox Pop. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur milieu? Donc il y en a qui veulent avoir un nouveau parc, justement à Saint-Alexis, là, on a un nouveau parc. Donc on prend la parole des jeunes, fait que c'est pas mal ça. Pendant le Media Lab, j'ai vraiment touché à tout. J'ai touché à la caméra, j'ai touché au son, j'ai touché aux habillages. Mais j'ai surtout beaucoup pris de photos. Puis c'est surtout à cause de ça que ben, j'aimerais vraiment beaucoup prendre des cours en photo plus tard.